pour imbécile. Dis-moi, sens-tu cette étrange atmosphère? Ce monde part en couille, mon frère, et bizarrement on se laisse faire. On plane dans un rêve endormi, comme avec des somnifères. Comment faire pour sortir de ce bestiaire? Gentil mouton, je te remets à l'heure. Ce monde est sans couleur, tout le sel futur sera dans la douleur. On vit en mangeant chie sous un ciel artificiel. Plus de principe, plus de valeur, troisième millénaire sera superficiel. Plus de cerveau, place au logiciel. Je te l'ai dit, ce monde part en couille et c'est officiel. À quoi bon faire attention? On est tous aux hautes tensions, les politiques sont les rois de la fellation. Allons enfants de la patrie, c'est l'heure de la révolution. Foutre le feu, c'est notre seule option. Brûlons les banques, l'argent est notre principale attraction. Mais c'est également la première des altercations. Sans pitié, sans relâche, je clash, je monte trash. Et sache qu'à la gueule de la conso, je crache. Un jour peut-être, je finirai dans une bâche. Mais je préfère crever libre comme un guerrier apache. http://, m'en bats les couilles.com. Et ceux qui sont pas contents, j'ai Sodome, sans comme d'homme. Je connais ma route, pas besoin de tom-tom. Chacun écrit sa vie, moi je suis au troisième tome. La politique, tous pareils, comme des abeilles. Pour on est comme des mycoses sur des orteils. Hey, ferme ta bouche, ça pue la mort. Lequel de vous deux attend le quel de vous deux ment le mieux? Élection du meilleur menteur, du meilleur vendeur. Dans tous les cas, vous êtes des vendeurs de misère. On sait tous que vous ne vivez pas comme nous, vous êtes de l'autre côté de la rivière. On n'a pas les mêmes chaumières, mais vous avez oublié qu'on est de la même chair. À force de boxer la France, elle dort dans une civière. Je me demande comment finira ce triste monde, vampirisé par les hommes politiques et les financiers. Faut se réveiller, c'est pas la guerre des boutons, mais celle des bifetons. On est tous comme des moutons. Pour son prochain, on est sans pitié. Sa mère finalement n'est pas des chiens, mais au moins sont fidèles. On est une race de hyènes, une espèce de charognard sans conscience qui au fil des années s'entretue. Des carnassiers vêtus, des mancheurs de mort sans principe et sans vertu. Même dans le rap rare, sont les engagés. C'est l'époque des enragés. La plupart sont des petites bites à l'esprit abrégé.